Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un relooking, pour votre relooking peut-être aujourd'hui. Et pour la première candidate, nous avons Amandine 1962. Voilà, donc je vais maintenant, déjà, on va lui envoyer un auto et on va aller lui créer un petit look. Alors, voyons voir. Créer un nouveau look pour Amandine. Et c'est parti. Alors, je vois que tu as un look assez rock, assez gothique même, je dirais. Et cette coupe, cette goldie que tout le monde veut. Hop, bon, on va tout enlever, voilà, on enlève tout. Ok, je pense que c'est bon, on a tout enlevé. Et vous me connaissez, j'aime bien faire un petit peu l'inverse de ce que vous portez. Donc là, on va faire un look un peu plus mignon, un peu plus, un peu différent déjà. Oh, j'aime bien cette veste, j'adore cette veste. Mais on va voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se demande bien. Est-ce qu'on part sur cette veste là et qu'on trouve quelque chose qui va bien avec, genre un petit haut blanc type comme ça, ça passe, mais bon, mettre une veste sur un haut comme ça, ça fait pas trop. Une robe, non, ça fait pas trop une robe. Oh là, la tenue d'infirmière. Petite tenue d'infirmière, j'ai limite envie de faire un truc avec la tenue d'infirmière. Mais je sais pas. Je ne sais pas, peut-être pas. En tout cas, elle a des... Ouh, loulou. C'est très osé, dis donc. Une petite nuisette. Non, on va peut-être éviter de mettre la nuisette, mais... si je mets ça, est-ce qu'on peut mettre un pantalon par-dessus ou pas? J'ai envie de tester avec ça, ça m'a l'air cool. Bref, on va aller voir. Ok. Alors, faut que je me décide. Soit je pars sur ce body... Soit je pars sur... Non, peut-être pas partir sur la nuisette, c'était vraiment pour le dédire de voir à quoi ça ressemblait. La tenue d'infirmière, ou bien est-ce qu'on peut mettre la veste rouge par-dessus normalement? Oui. Et normalement, si on trouve un bas... Oh non, pourquoi? Ah bah mince, je pensais qu'on pourrait le mettre par-dessus le body, mais non, du coup ça m'a cassé tout mon délire, voilà, je l'annonce. Ça m'a cassé mon délire. Donc il va falloir changer parce que bon, je vais pas la mettre habillée comme ça quoi. Mais du coup je suis déçue. I am déçue. Je pensais faire un truc bien et finalement non. Ok, il va falloir que je change tous mes plans maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Ça ne va pas du tout ensemble. C'est vrai que c'est difficile. Je sais pas, quand t'as acheté le Ola, tu le mettais avec quoi? Qu'est-ce qui va bien avec? Ben ça passe bien avec... Même si c'est pas ce que je recherchais à la base, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus clair. Mais sinon, je vois pas trop avec quoi sortir. Et on va voir si c'est un pantalon assez haut pour cacher le bidou. Un pantalon taille haute, tu devras voir, je pense, j'espère. On va aller voir. On va voir si c'est un pantalon taille haute. Bah, il y a celui-ci. J'aurais préféré un couleur jeans. Parce que là, c'est trop sombre. C'est trop sombre. Un jeans qui monte. Celui-là, à la limite, même si je suis pas fan de celui-là, parce que c'est un que tout le monde a. Bien, on met celui-là et puis on laisse le bidou à l'air, mais c'est pas ce que je voulais. Et si on testait celui-ci? Ouais, celui-ci à la limite il passe, il est un peu moins dark. Mais bon, on va faire comme ça. Et tiens, les chaussures vont bien avec la veste. Pour les cheveux, pour la chevelure, que va-t-on mettre? On va aller voir plus loin. Ça c'est cool. J'aime bien cette coupe, ça va bien en plus avec son maquillage. C'est vrai qu'elle a un maquillage assez dark, donc ça aurait été difficile de faire un look trop mignon avec ce maquillage là. Ça aurait fait contraste. Et en accessoire, bah il n'y a pas grand chose à accessoriser. Hein. Franchement, à part mettre peut-être ça, comme ça on voit en dessous qu'elle porte un collant. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à accessoriser, parce que même au niveau du cou, si je mets quelque chose, ça va cacher par le pull. On peut rien mettre sur la coiffure, parce qu'elle a déjà un petit ruban par défaut sur la coupe. Au niveau des bras, elle a la veste qui cache les bras, donc on peut rien y mettre. Non, franchement, à part peut-être un truc genre comme ça, pour encore accentuer le regard qui est déjà assez accentué. Mais franchement, j'ai rien à ajouter, personnellement. Ok, bah je pense qu'on va rester là-dessus.
Bon, j'aime bien. C'est un look casual. Hein. Il n'y a rien de spécial au niveau du look, mais c'est un look qu'on peut porter tous les jours, donc ça va. J'aime bien. Vous voyez, on va marquer la quinzelle et passer par là. La deuxième candidate au relooking est Cute 2006. On va lui envoyer un auto comme d'habitude. Alors j'ai essayé de trouver un garçon dans les commentaires, je n'en ai pas trouvé. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de commentaires, j'ai pas fait tous les commentaires mais presque. Et je suis pas tombée sur les garçons, donc n'hésitez pas hein, les garçons, hein, je relook également les garçons. En plus des fois je fais exprès d'essayer de trouver, normalement c'est vraiment du aléatoire. Mais là, vu que c'est vrai que ces derniers temps il n'y a pas eu beaucoup de garçons et qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que je devrais faire un peu plus les garçons. Alors c'est pas contre vous, c'est juste que je ne vous trouve pas actuellement. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour être looké, n'hésitez pas à me préciser aussi que vous êtes un garçon parce qu'en général je me fie au pseudo et aussi au profil de la personne qui a envoyé un commentaire. Mais des fois bah du coup on voit pas, on sait pas trop garçon-fille. Donc n'hésitez pas à préciser voilà, que vous êtes un garçon pour le relooking. Et c'est parti, on va relooker Cute 2006 et créer un nouveau look pour Cute 2006. C'est parti, relooking. Alors là, je pense qu'on se retrouve avec une personne qui également a un look assez dark. Mais j'aime beaucoup ses cheveux. J'aime beaucoup ses cheveux, j'adore. Alors on enlève tout. Par contre, une fois qu'on a tout enlevé, elle a un visage qui fait un peu moins dark que précédemment. Donc on peut peut-être un peu plus... faire quelque chose un peu plus clair au niveau du look. Déjà j'aime beaucoup cette veste. Mais hop, c'est parti. La veste là j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi en ce moment qu'est-ce que j'ai avec les vestes, mais j'aime bien les vestes, voilà. Ça c'est beau aussi, mais c'est dommage que ça dépasse un petit peu par là, parce qu'en plus les deux ensemble ça allait super bien. Attendez, j'ai oublié d'enlever ça. J'avais un petit tatouage. Ça j'aime bien. Donc au pire on part sans la veste pour changer, parce que c'est vrai que si je mets à tous les looks une veste, c'est un peu moins marrant. Mais l'eau là j'aime bien. Bah écoutez, on va rester sur celui-ci. Alors au niveau du bas, que va-t-on mettre? Est-ce que je pars sur un short, sur peut-être une jupe pour changer? Bah si on trouve quelque chose, bah, déjà on va voir qu'est-ce qu'on trouve qui serait bien avec. Bah ça passe aussi, hein, le pantalon 3 quarts. Mais c'est quoi ça? Non, ça le fait pas avec le look. J'avais pas vu qu'il y avait des mains de squelette. Mais ça va bien avec le haut. Hein. C'est limite, ça a été fait pour être ensemble. Hein. Si ça, je dis rien. Hein. Ouf. Oh bah tiens, on va mettre un petit jeans. Simple, classique. Là, si je trouvais des sandales, ce serait cool. Je sais pas si t'en as. Ouais, des sandales comme ça, c'est parfait. Alors c'est un look très simple, mais moi des fois j'aime bien la simplicité. Non, on va rester sur les sandales là. Et au niveau de la coupe... Ah. Non mais j'aime bien celle-là, mais bon, on va pas remettre la même qu'elle avait à la base, sinon c'est pas marrant. J'aime beaucoup cette coupe, faudrait que je l'achète. Je sais pas, ouais, j'ai pas vu par contre. J'aurais bien voulu trouver une coupe un mi-longue, assez courte. Ou les cheveux attachés, genre voilà. Mais pas ces couleurs-là. On est parti sur quelque chose de tellement simple, faudrait que je trouve une coupe, voilà, genre plus comme ça. Mais je sais pas, la coupe là, j'aime pas trop. Celle-là pas trop non plus. Voilà, bon, limite, celle-là, elle passe bien. Bah, j'ai envie de te dire, la coupe là, elle passe avec tous les looks, hein, j'aime beaucoup. Mais on va essayer de trouver quelque chose d'autre, quelque chose peut-être un peu plus original. Bah écoutez, non, je pense qu'on va rester sur les chignons. Et on va accessoriser ça. Là, pour le coup, on peut accessoriser. Parce que, ben écoutez, on a de quoi faire. Hein. Là, la base, elle est très simple. Ouais, peut-être pas un sac bleu avec le rouge. Est-ce que si je mets ça... Ouais, c'est juste la couleur. En soi, le bandeau, j'aime bien, mais la couleur, juste... Avec ça, ça passe crème. Attendez, j'ai vu un collier, là. Et passe bien. Bon, faut le voir hein, quand même le collier. Hein. Faut vraiment regarder bien pour remarquer qu'elle porte un collier. C'est juste ça qui est dommage, c'est que des fois il y a des accessoires, ils sont trop petits, on n'y voit pas grand chose. Mais sinon, voilà, sinon je vois pas ce qu'on pourrait ajouter d'autre. J'aurais bien voulu un bracelet. Mais je crois que je n'ai pas vu de bracelet. Non, j'ai pas vu de bracelet. Bah tant pis, on va la laisser comme ça. C'est simple, mais c'est quand même mignon. Voilà. La quinzelle est passée par là.
Et la dernière personne pour le relooking, c'est la chi... Alors, je sais pas si je veux dire la chicks, la chicks. Bref, j'espère que je le prononce pas trop mal. Et c'est parti, on va faire le relooking. Hop. Et je rappelle également pour le relooking, hein, je sais pas forcément que les personnes, comme vous avez remarqué, qui sont dans mes amis. Tout le monde peut participer, les garçons, les filles, les VIP, les non-VIP, peu importe le niveau. Peu importe si vous êtes dans mes amis ou pas, c'est pas grave, vous pouvez, tout le monde peut participer. Ok, c'est parti pour le relooking. Je sais pas pourquoi, mais elle a la tête de Christina Cordula. Ah, c'est peut-être les auréoles, ça. C'est peut-être les auréoles. La fille qui met bien un petit accent sur le haut, les auréoles. Les auréoles, on dit. Kenzel, voyons. Les auréoles. Bref, bah écoute, elle a un look sympathique. Mais du coup, je ne sais pas sur quoi partir. On va regarder un petit peu ce qu'elle a. Et puis bon, on verra, on va y aller à l'improviste. Et peut-être une robe pour changer. C'est vrai que j'ai beaucoup fait de tenues sans jupe ni robe. Donc là, ce serait bien de partir soit sur une robe, soit sur une jupe. Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu trop souvent la même chose, la Kenzel. Hein. Alors, que va-t-on prendre ? Soit je prends un haut et puis après je trouve une jupe, soit je prends une robe directement. Au niveau des robes, je suis pas très inspirée là de ce qu'il y a. Donc on va peut-être finalement partir sur... Quoique celle-là, on peut partir sur celle-ci. Et bah du coup, hop, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça je valide directement. Vous savez déjà, d'avance c'est mes collants favoris ça. J'adore. Alors bah pour les chaussures, on n'a pas trop le choix. C'est vrai, je suis pas super fan de celle-ci. C'est limite, je préfère encore mettre ça, même si au niveau de la couleur, ça correspond pas avec la robe. Mais je préfère encore mettre celle-ci que celle-là. De toute façon, celle-là, non, ça va pas du tout. Les seules qui iraient bien avec cette robe, c'est celle-ci. Et au niveau des cheveux, ça passe, c'est pas mal. Je me rappelle plus quelle coupe elle avait à la base. Parce que si je remets celle-ci alors que c'est celle qu'elle portait déjà... On peut partir sur celle-là, histoire d'être sûr que je remette pas la même coupe. Celle-ci est sympa aussi. Mais non, on va partir sur celle-ci. Et on va accessoriser tout ça. Tiens, on peut même lui remettre ses auréoles. J'ai des auréoles, mais en fait, c'est des créoles. Je sais plus. Bref, non. Et ça, c'est quoi? C'est sur les joues? Ouais, mais ça le fait pas. Ça fait ça irait bien avec un autre look, mais pas celui-ci. Celui-ci est trop distingué, hein. Madame distinguée. On peut même lui mettre une veste. Mais bon, arrête avec tes vestes, Kenzel. Tu nous saoules avec tes vestes. Voilà. Mais sinon, je peux rien mettre d'autre. Je peux rien mettre d'autre de... qu'il y a dans les accessoires. Ça irait pas avec le look. Mais je suis assez fière du look. Il est quand même sympa. Le look est quand même sympa. Et on va... Ça, la Kenzel est passée. Et passée par là. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez participer au prochain Je Relook, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre pseudo dans le commentaire. Et je rappelle les garçons, n'hésitez pas à me préciser que vous êtes un garçon pour le relooking, parce que comme ça j'aimerais bien pour la prochaine vidéo quand même mettre au moins un garçon. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.